Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément galerie. Pour information, nous travaillons avec la plateforme, l'outil Sheeta de la plateforme Budroll. Quand vous travaillez avec, quel que soit l'outil avec, lequel vous travaillez, hein, n'oubliez pas, pour faire la création de sites web, hein, je veux dire, n'oubliez pas d'enregistrer souvent pour ne pas perdre votre travail. Donc là, je vais cliquer dessus pour enregistrer mon travail et je vais quand même le publier pour que voilà ça soit pris en compte sur la page en front-end. Ok, aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que vous pouvez travailler la galerie sur la version mobile. On va aller sur la version mobile, on va regarder ce qui se passe. Notre galerie ressemble à ça. On dit oh, c'est pas terrible, ok. Donc pour cela, on va afficher au fait du coup la version. Bon, les fonctionnalités hein, sur la version mobile, donc clic droit sur l'élément que vous voulez travailler et ça va, les fonctionnalités vont s'afficher. Autre chose, hein, vous remarquerez que voilà, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour régler ce problème? On en avait parlé déjà quand on était sur la version PC, c'est la taille minimum. Là. La taille minimum, on va aller l'augmenter ici. Ok, du coup je l'augmente et j'ai quelque chose d'un peu plus sympa. Donc c'est vous qui décidez hein, de comment cette taille minimum va être. Donc là on a une taille minimale sympathique. On va descendre. Bon, on trouve que c'est un peu trop collé. On va le décoller un peu du haut. Donc là on va aller sur ancrer, avancer pardon. Et là on va donner un peu de marge en haut. Ok, un peu de marge en bas si on veut. Et là je vais dire c'est super, c'est ce qu'il me faut. On va aller regarder sur la version tablette à quoi ça ressemble. Et sur la version tablette on a ça. Donc si par exemple je trouve que non, je peux l'agrandir un peu plus sur la version tablette, ce que je vais faire, je vais l'agrandir ici par exemple. Je vais aller là, largeur maximale tablette, je peux réduire si je veux ou je peux l'agrandir si je veux. Tout à l'heure quand on était sur la version tablette, pardon, la version mobile, il y a un truc que j'aurais pu vous montrer ici aussi. Bon, après, on va voir l'effet que ça donne ici. C'est avancer. Vous avez vu ici, là, gauche-droite. D'accord. Vous pouvez jouer également sur la taille si vous le souhaitez. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est comme ça que vous travaillez avec la galerie hein, sur la version mobile. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'aller enregistrer votre travail en allant sur la version PC. Vous cliquez sur enregistrer. Et c'est bon, vous publiez de manière à ce que ça s'affiche en front-end. Bon, on va aller voir en front-end, comme je dis. Hein, donc, ça, c'est la partie que les visiteurs vont voir. À quoi ça ressemble notre galerie. Donc, si je vais dessus, je recherche cette page. Et là, j'ai ma galerie qui doit apparaître. Donc, ça, c'est l'effet qu'on avait rajouté dessus. Ok, donc, ça, c'est ma galerie qui apparaît. Si je clique sur une photo, ça donne ça. Je peux fermer. Je clique sur une photo. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que marche la galerie. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez qu'à l'agence web AWDE, nous avons mis en place une formation gratuite qui pourra vous aider. Pour ce faire, allez sur notre site awde.fr. Vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près et vous allez trouver un bouton. C'est marqué "Je commence ma formation". Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir faire. Pour pouvoir créer votre site en ligne. Après, comme nous sommes une agence, si vous aimeriez qu'on crée le site pour vous, tout ce que vous avez à faire, hein, c'est de nous contacter en cliquant sur ce bouton, en remplissant un formulaire ou nous envoyer un mail directement à cette adresse ou nous appeler à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.